Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de chez nous magazine. Oyotozo Yambapo Nabino Lelo. L'apôtre Serge Lukanga, qui est le représentant de la grande communauté Cité de Paix. L'objet de ce magazine, c'est la célébration de leur 28e plutôt anniversaire. Il y a vie commune, 28 ans, il y a mariage, ce n'est pas une mince affaire. Ils sont nos invités. Lui, l'apôtre, ainsi que maman Mireille Lukanga avec eux, nous aurons à développer quelques points. D'abord, savoir comment ils ont se rencontrés, comment ils ont évolué, quels ont été les moments forts et les temps aussi de tristesse pendant leur couple. Mais qu'à cela ne tienne, nous aurons aussi quelques questions à poser à l'apôtre par rapport à la grande communauté et pourquoi pas aussi par rapport à son métier qu'il exerce. Parce que je vous signale qu'il est un corps juridique. Sans plus tarder, nous passons déjà à nos invités qui sont tout mignons. Bonjour apôtre Serge, bonjour maman Mireille. Bonjour maman Berthe, bonjour à tous les téléspectateurs, tous ceux qui suivent notre magazine. Nous vous saluons au nom de Jésus. Merci beaucoup apôtre Serge, je signale que vous êtes représentant de la grande communauté Cité de Paix. Et en même temps, vous êtes au corps juridique. Une question déjà pour commencer. Y a-t-il compatibilité entre ces deux métiers? Parce que, apôtre Serge, vu le rapport donné par les observateurs internationaux concernant la machine juridique congolaise. Oui, nous sommes personnel juridique, avocat. Et cela est compatible avec la parole de Dieu. Et lui-même, Jésus-Christ, est un avocat auprès du Père. Est en train d'intercéder pour nous et de parler à notre faveur. Donc il est en train de dire à Dieu que voilà comment maman Berthe s'est comportée, mais comprend la situation dans laquelle il s'est retrouvé. Par rapport à la machine ou le système juridique en place, la compatibilité est de mise. Hein. Moi j'ai dit, par exemple, je vous donne l'exemple du code de la famille. C'est un code de la famille que moi j'ai dit qui est proche de la Bible. On nous parle d'un seul mariage. Et on insiste, le législateur dit mariage est monogamique. La Bible nous parle d'un mariage monogamique. Déjà, si je me limite là, je pense que l'arsenal juridique est propice à Dieu. Donc, je suis à l'aise parce que je peux défendre que le mariage monogamique. Et restons toujours dans la communauté Cité de Paix. Une petite historique de cette grande communauté. Elle compte combien d'assemblées maintenant sur Kinshasa et l'étendue nationale? Oui, la communauté Cité de Paix a vu le jour le 21 mars 2013 et aujourd'hui nous en totalisons 5 ans. Cela sera fêté ici le 21 septembre. À ce jour, à Kinshasa, nous avons 6 paroisses. Nous avons 2 paroisses dans l'ancien Bandundu, ça veut dire une paroisse à Kikwit et une autre paroisse dans le Bandunduville. Et nous sommes aussi à Lubumbashi, où nous avons 2 paroisses et une cellule. Donc, une paroisse qui est à Ewabora et l'autre paroisse qui est à Badolit. Et nous avons une cellule de prière au niveau de ce qu'on appelle la Jekamine. Voilà un peu à ce jour ce que nous pouvons présenter comme bilan et nombre de paroisses que nous détenons par rapport à la communauté Cité de Paix. Merci beaucoup, pasteur Serge. Et pour entamer déjà l'objet de notre magazine d'aujourd'hui, si l'on peut savoir la circonstance mini au SLA qui est au coup d'un moment mirel. Bolingo, ma camoyo se bandit à la Bolingo. Là, il y a un gars, 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 il y a un président à Bajen. Je ne sais pas si on a un solo, on a organisé Bajen. Moi, j'ai quand même un peu de facilité. Bon, nous avons les gars là contrôlés dans la barrière. Mais va trouver ça là. Bon, t'as la gaga. Monsieur Moni, na Moni gaga, mutu mwa zaidi différent la mutu sowa yak. Na Moni, moi si mwa mutu se, kamu zaidi mbinga. Moni lui dit, tere mawana. Oh, na yego tala, na yego baje, tere mawana. Na partir de là, on a fait sur information. Okumi moi si langai. Oh, de, okumi, alors qu'on devait vendre na comptoir wana, osi langai. Azali na bandeko basali lokola ba pute boye hein comme ba katuni ba biwana president pe mutema na pe betaki akiengula na kontoa azeli ngai na ye wana mina za so masolo te
Nalobi mutu okopi modèle nanga ko dragete. Des modèles nanga. Voilà qui sont là dedans des problèmes. On est gars il a su comprendre des gars il est la lingi. Yo non on a su qu'on tourne yo Olobi din. Non non. C'est un fort. Galanterie oblige. Non bon c'est ça par après de là comprendre que je peux monter le bétail. Comprendre. Bon donc voilà ma soeur Bandaki depuis Lubumbashi. Kawana Nakangami. Nakangami, si Lelo, toujours 28 ans. Donc, Kalaka Kaisaraki depuis 90. Depuis 90. Très jeune. Zamba Sungi Viso, de Toyego Bima, là-bas 97. 94, non, moi j'ai quitté là-bas 93. Tobi Mikuna, Toke Goma, Goma, Otamboli, allez. Très gozong à Kishasa. Depuis lors, tout ça. Na Kishasa. Bana, bon, ici, Bana, à tout le monde, Bana, tout le monde, Bana, moi, il m'a dit à la télévision, je suis en train de j'en ai plusieurs. J'en ai beaucoup. Voilà ce que je peux dire. Merci, apôtre Serge. Et la même question à maman Mireille. Avant tout, on est là, papa, maman Mireille. Bana, mon cas, papa, lobby, télémawana. Et ça, avec une dingue. Bon, période où on a été trop jeune et je n'étais pas habituée à la vie à Mibali. Pour le babongo. Je n'étais pas habituée à la vie à Mibali. Mais, balobaka, Libala ou bien Bolingo, ils allaient en quatre à Moutema. Ce qui est Mbeti et Lingi, Makamoussousou et Yakati. Moutema est Betaka. Oh, ma cambo qui soda, pour attendre celle qui soda, soit monter mes bêtises pour ça la paix 28 ans. Monter mes bêtises pour Elingaka, c'est pourquoi j'ai accepté. Merci beaucoup, maman Mireille. Nazo Zongelayo tout à l'heure avait une question concernant Babiso, Babilengue, Bassi. Alors, apôtre Serge, bah, maman, 28 ans, c'est pas facile, surtout na mon kilo et à l'élo. Baton nini o bokutana nango pe o yo deux fois pe et sindomi tout na ba question est-ce que maman Mireille elle m'a elle était à moi ou soit je m'étais trompée et comment vous êtes parvenu à surmonter ces étapes? Oui, comme maman ou tiko lobala nga moko na lobala chaque jour nzambe a sala grâce tokutana pe za jeune hein? Vraiment ba jeune nga moko de la bande ko former. Oh, déjà, elle n'a pas de naïve, elle n'a pas de parce qu'elle n'a pas de naïve. Alors, tu as ma maman, ma papa, parce que la kipe, moi, je vais dans la langue de l'été. Tu as eu un problème à différentes étapes. Je suis allé à deux ans pour ça, l'université. Donc, je suis allé à étudiant. Premier problème, c'est que je suis satisfait. Il faut na PC Bolingo, tout dans la carte de syllabus. Dans ce qu'il y a un campus et une université, on se dit que je suis à niveau, le grand frère Nanga et les autres, vous êtes obligé de continuer à faire ça. Il y a un salam sal. Il y a un salam sal. Il y a une difficulté, il y a un salam sal. Il y a un salam. Il fallait tous avoir discipline. Il y a un peu de temps, 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 il y a problème. Si tu as évolué, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un problème avec la famille et la difficulté, tu as un peu de temps. Vous avez une moindre compréhension. Koloba que tu sois nakaté, t'es pas les accouplés normalité. Tu sois naka. Mais naébi que na vu nangaï, na si na bête mon colomo. À 28 ans, t'as même pas compris. Na jifla kaka o ya bolingwa. Mais tu sois nakandé maloupa. Mon pas difficulté zan de malo. Pour la koyokana o ya lobi boy o ya matisi mungongo. Mais les lots, tu vois, tu longi, tu as tu longi, tu as 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 tu as
tolengani naza étudiant na longwa étudiant comme avocat avocat za makambo mususu yepa ya comme commerçant makambo mususu il faut voyager il faut sala boy bozongi zuwa téléphone est sonné nani kuna zo comprendre ba biloko ndenge wana to za ba jeune ba biloko nyo sto traverser yango nzamba sungi biso to tikala abomoko elle moko ba mwa mvuya ti tolongwe ko bakisa ki avocat ou bakisi pasteur donc vous au continuer na kozala vedette homme public alibala mtu atala besoin ya avocat te atala besoin ya pasteur te atala besoin mbali elle nga ngina za avocat te alizina za besoin mbali la ngina za pasteur na besoin mbali alors de ba ba étape nyo sur chaque fois qu'il y avait mutation ba difficulté wana et bande vous engater ba moment to l'équipe ba moment mususu il y a pas si mingi ezala ki elle to bungisa ki bana deux fois les arrive ba moment difficile on a monaka chaque jour maman zala na hôpital na sali 6 mois ba mapasa to sambeli ba mapasa ba mimi na zala bango na maboko quelques minutes après ba mapasa ba kufi alors tala kaka ndé ba moment wana et on a la bandeau le bakézaki par moment beaucoup difficile pour la biso mais dans ma fortifia si les lots on te le baka au lieu que le baka félicitations peut-être dans le baka peut-être tout ça va compétent pour ma campagne qui est cause à la métolonga kangoka. Merci beaucoup pasteur et Yamabe Zali mais Yamala Mpeza Nakate. Bah bon souvenir au garde. Ah bon, des aïbélé. Il y a mariage, donc, plus personnellement, pour la maman Niaï. Bah bon, les aïbélé, en gros, mon est dominé, ma bé. Marie, au moins, il a pétali le tableau. Mais il y a malam, les aïbélé. Malam. D'abord, ton bandit, la route, vous avez vu ça, yo. N'a zo qu'un des campus. Au moins, il va botter, eux. Et Zala qui colle les cas. A zo la talinette, mon boué. Mais Andimi, a te que l'anga tomate. A te que tomate, pour la kende, la danga. Bon, on va transporter l'homme dans le campus. Bah, moment, donc, je suis très reconnaissant envers cette femme. Elle n'a pas dit que nous avons tout à cause de la lune, à pasteur dans la bombe. À cause de tout parce que tout le monde a dit que Makala, Teki, Tomate. J'étais un grand footballeur, à Zoli, en football. Mon nom, Jacamine, si vous avez ta balle, vous avez ta balle. Donc, vous avez la gaffe, vous avez Jacamine. Donc, elle a tout supporté, alors qu'elle était jeune, elle pouvait faire aussi l'ambiance. Donc j'ai beaucoup de moments, de bons moments avec elle. Elle m'a supporté dans tout et bah elle m'a caprice, bah nini. Mais elle est toujours à mes côtés. Mais aussi à Sunginga et Belé. Sunginga les choses arrivent à Sumususu. Parce que Ndé a été qui a zoné le tigre les bongo. Mais surtout en cadre de Sumususu, mon gars va tigre les bongo. Mais moi c'est la tonga zaté. Hein? Mais là la tigre là est Belé. Mais Azakaka Akobi. Asungio, Botongio, Azolanda. Donc, nous avons dit que nous avons surtout que Bolingo. Pour appeler ça Gangaïnde, Eleki et Kouviraganios. Nous avons dit que nous avons dit que Nathalie, nous avons dit vraiment Zambé. Merci beaucoup, Pasteur. Et Toti Kalaka, qui a point wana. Yomoko Zalipe na domaine juridique le loto koki koloba qu'est-ce qui est à la base ya ba divorce ou komi ebele na kati ya ba mariage ezali dû à non préparation ezali exactement nini et surtout que yo zali mieux placé parce que boyambaka des fois ba couple na ba séance avant prononciation ya ba divorce. Merci beaucoup maman Marthe. Olobi loko moko ezanga kala ba ba tuebele ba mariage ebele ezokufa faute de préparation. Succès y a ma cambre belé et zande qu'on s'est préparé. Bah, toi, ça initié. Même si bah, ça initié, mais surtout, ça initié, mais et mon tout y a orgueil. Ouais, mais que divorce est belé, bah, toi, ça divorce est orgueil. Au boy, y'a kaka, koyoka. Bah, problème est gozala. Mais parce qu'il y a l'orgueil, c'est pourquoi bah, toi, ça salaté. Bah, toi, ça qui m'a, ceux qui te la Bible, bah, toi, qui m'a la versé, sauf pour cas d'indulté. Mais Jésus n'a donné le choix. Il n'a pas donné un ordre. C'est un choix. Pour un chrétien, il peut pardonner. C'est pourquoi il y a qu'à endurcir même les gamins et les adultères. Même si il y a un azabo et la talimarque, la mission à Kolou, la salle, est-ce qu'il y a un azabo et un adultère?
Donc, tout ça, les camomkas, si place où on a manque de préparation, orgueil, et là, tu vas et donc, manque aussi d'initiation. Il y a beaucoup de gens. Maria, je sais, C'est pourquoi moi-même, la loi est lobby, la femme qui est dans le mariage est émancipée. Bon, à quoi je suis en train de me faire? Ce qui m'a dit, c'est bon côté. Je dois éviter que papi ne pas la bango. Ce qui peut ok, ils ont des fleurs. Ils ont des fleurs. Ok, mon mari, il a dit, il a dit, il a dit, bien. Lobby, lobby, il a mis sous vêtements. Autant de mes balles, il a dit, il a dit, la toilette, il a dit, il bien. Il faut aussi, il a place, il a dit, moi, je suis en il n'y a pas de bon. Alors, qui s'est voisé, l'homme va soigner. Ce qui va préparer, qui m'a cité, c'est un problème. Moi, si je vais préparer, qui est un fort, pour la mbali. Manque de préparation, c'est un premier élément. Deuxième élément, orgueil. Troisième élément, les familles. Ceux qui vont dire que la famille, c'est un peu de temps. Dans la famille, c'est un peu de temps. Il faut tout être à 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 3. Paul dit que chacun donne ce qu'il doit. La femme a des choses à donner, l'homme a des choses à donner. Chacun doit donner. Baya ka kozwa te. Soki otini mwana oke na libala place oke ke ndeko zwa. Obe bisi. Fongola misu. Oh, fongola na misu. Fongola misu ne nini? Eza makambo bino mibale. Donc yo pesa maeli, yo pa pesa. Pesa nzoto, a pesa nzoto. Pesa mbongo, a pesa. Biso nyoso. Soki to bandi ko pesa to komona ke eloko na misu to ko investir. Yango na benga ka. Le mariage c'est un lieu d'investissement. Mutola mutaza le loko ko investir na kati. Oko mona ke divorce et ko sala mingité. Donc pona ba basali nzambe na benga ngo ka orgueil et puis na benga ngo incompétence. Comment ko zanga te ndenge za bwina utu ke biso ka zanga mwana mke. Na za mkolo na e. Ata to sala ndenge ni za mkolo. Ata so ke zo botela nga ata mona ka ngai na longoli bilamba. Na mwana mke. A petite na ngai. Siko est-ce que petite mwana mke ko le ngai na mari? Soi ya legele nga maele do nga mungo lakomi mtu neni. Nyo swa kwa usala. Nazaka mko. Mkolo. Ape sa yenzela. Mwa igogo. Landa nzela. Zabongo. Merci beaucoup, Apôtre Serge. Maman Mireille, la même question, mais plus au pona piso bilenge basi. Conseil nyo kope sa na ba jeune fille, tope ba jeune femme, ou deja baza na kati ya ba couple, ou eza peut-être ne bandeli. Nini, comment va Koki ko se comporter pour ne fût-ce qu'à atteindre une décennie dans le mariage ou comme une chose difficile de nous? Conseil, on a Koki ko pe sa kaka parce que ngai pe nalika ki nanzela wana. Nazala ki nano elenge babali nga na kote na kata libala. Mais eloko nano a liboso na koloba, biso ba jeune fille ya mikolo oyo. Parce que belé bazo bala toza nano bilenge er moko peut-être akanisa ki atuli na kati ya quartier awil kobala mususu atali souffrance le ki mingi pa na bango bazwa mwa mutu moko boza na mwa mbongo na bala pona ke bosale la famille mususu atali age epusani alobi na kende nanga kokota ba pesa nga ta zeni na sali na kota kati ya libala toza nano préparé ye abimika kapetite pona souffrance pona koli ou bien batunyo so quartier babali ngai pe foka kana kende kobala akoti sans ko se préparer era akoti sa ko se préparer kuna kati ayebite role na ye oyo ya ko jouer na kati alibala c'est pourquoi zo mona mabali ebele basali une année ba probleme bandi bakabwani ngana lobaka mobala ko tiko za mukolo. Mais ce qui ngai naza préparé vraiment malgré ki mukolo na ye na oye ba kobeta bale na oye ba penda kobeta bale pona maîtriser na ki mukolo na ye wana po li bana ngeke ndi liboso papa se azaza mukolo abala nga naza la mwana muke mais ba, du ba problème nyonso to traverser depuis to bala ni na ye a mbele na koma peut-être chel na kati ya boulevard ngai pi na zozo wa mibali. Mais parce que na baki ko beta ba na bimake pa na biso na zalaki na mutako formé ngai te mais er na ye na kote na kati ya libala ye azui ngai a formé nga aza professeur na nga oui er ya formé ngai
si baloba ka professeur akoki ko former élève élève pe akoki ko ndako former ko ngai na zui school leçon na ye wana na zui yango na beta ngo bale lelo to kopisi 28 ans ya komata akoki ta c'est pourquoi nous senga ba jeune fille muto abima ke pa na bango azala former azala former te azala kana na mission soko ye na mission oza na mission na yo okozwa mission na yo oti ango sou mission ango bale mobala zui mission na ye a mati na mission na yo okomona bokusa nini bokende liboso soki mwasi aye ayebi te eloko azo ya kosala na libala c'est pourquoi tozo mona makambo kirikiri ekoti ba separation toboti bana misatu mine mobali alembi abandi na eko kende na balabala yo bandi kolela mabele nange kweyi nazo comprendre te libala 2 ans 3 ans parce que toyeba obeta bali te ngana ko conseiller ba jeune fille soki ozana difficulté biso tozawana ngana zawana surtout pona kondema ba jeune fille lolenge nini oyo bakuti kofanda na libala na bango mikakaka ezala ezala te na kende ti ata 50 ans de mariage donc makambo eza ebele oyo basi aye ba ko jouer role na ye azana na se mobali amata akita qu'elle joue son rôle a jouer role na ye malamu pe kovanda kimia parce que bele bo makabiso soki naza na problème na bengi kinganti moi mbali na nga asala ki boye asala ki nga boye asala ki nga boye or pe ya pe akobima ake kuna okomi nini okomi trouble moyen okisa makambo wana ovanda pour que libala na bino ekende liboso ezati or ke ba bloko ebele ezali oyo il faut to songana pour que ba mariage ba jeune fille mususu ekene liboso pe ba fanda na libala na bango obalaza la ye moko atala ka pibili. Merci beaucoup maman Mirette otikalaka wana papa to seki déjà ba mauvais souvenir o ezala ki partager na couple et côté na yo personnellement ba bon souvenir o garda pe pona apôtre Serge bon ba bon souvenir na garda te na vivaka yango na garda na ngai te parce que eze belé ngana lobaka azwa ngai nazalaka na tata na mama te azwi ngai wana deja eza souvenir ali boso andima ozala na no papa nanga magaza mbali nanga andima ozala papa nanga andima education nga na zange pa na biso ye andima kozala wana mpona kopesa ngai yango nana andima kolakisa ngai mwasi atambolaka boye mwasi asalaka boye mwasi asalaka wana ezalaka vraiment souvenir nano ya liboso parce que ezalaka bato mosusu soki babali ye alobi uf babali ngai souffrance aipa na biso vraiment na longwe na kati ya eloko wana mais ngai nazalaki na eloko nyonso wana te nayaki kobanda nde vie ya famille na ngai wana nde ezalaka vraiment souvenir ya liboso oyo nazalaka nango souvenir ya mibale bolingo oyo kaka bolingo papa Serge apesanga parce que balobaka soki otraite mwasi na yo lokola reine akorendre yo roi mais ngai atraitanga lokola reine oyo donc lokola te nazaka reine donc tout ce que je suis aujourd'hui c'est grâce à lui donc bolingo lolenge ya kosala nga na mbetu lolenge yako donc bana pesanga apesa education wana oyo na sila pesa bana na ngai soko otali bana na ngai ozomona vraiment education baza na yango en tout cas ye nde apesanga yango donc valeur oyo nasalaka nazalaka fier ya kose présenter na lobi naza madame Serge Oka parce que il a fait beaucoup pour moi donc ba souvenir eza ebele mosusu nazokoka yango te nalobaka voyage eza eloko akokumisa te parce que moto mosusu nyonso akoki kovoyager mais moi j'ai marché bamboka nyonso ya monde place mosusu ya akenda te oyo ata koko na nga ata mama na nga akota te mais nga nakota baplace nyonso grâce à lui mais ye moko akota te liberté wana nazalaka libre ya kosala nyonso nalingi sans que babetanga fimbo na nsima je suis là na famille na nga mobimba nazolo bango na télévision naza na soni te je suis la seule oyo nakoki kolobake na bimi j'ai au moins ata 5 6 7 maisons
oyo to sondi biso moko mobali mususu akoki kozala na mbongo ndenge aza na yango asi afandisi mwa petite moko boye asi asombele ya biloko nyonso afutelaka ye mwa ndako aza na mwa rav 4 kuna me ngai namona yango te nazalaka yanga moko donc mobali nanga azalaka yanga moko tozalaka misato mine te o nakisuka mwa motu moko boye azalaka kuna Donc, grand cadeau, Anna. Donc, Azaka yanga moko. Nga moko nde na longola kaye bilamba na lati saka ye. Donc, tu mususu ayebi eloko mbali na ngai te. Depuis to banda. Yanga moko. Wana eza ba cadeau moko oyo. Même si nenga za wana mibali nyonso basi na bango baza na chance wana te. Baza na chance wana te. Oh, eloko ya eleki ya ma yango ezaka yanga moko. Et où t'as place une sous-souci? Nous avons un bacad, ba souvenir, ba y'a madame ouana, abotina bana, et y'a commissaire mon salaire en zanda mounen, t'as les autres mon salaire en zanda. Moutou le loco t'y couya pour l'obate que je suis servante de Dieu, c'est grâce à lui. Ouana, y'a un bacad, mon coba souvenir, mon coboye, nous t'avons occupé ta route au pessanga en route. N'a bien à caille mouton zambé. Parce que nous sommes dans la salle. Merci beaucoup, maman Mireille. Tout ce que l'on temps respirer, parce que je sens vraiment de l'émotion. Vous avez même presque des larmes aux yeux. Il y a Makambo vivre aux côtés. Il y a apôtre Serge Lukanga. Papa, je reviens à vous. J'ai lisé quelque part un ouvrage, auteur Mokwa Komi. Une femme insoumise, une malédiction. Comment pouvez-vous aussi interpréter cela? Oui, l'ouvrage, je ne sais pas la motivation, il y a auteur. Mais ce qui est vrai, c'est que parmi la dette que Dieu a donnée à la femme, qu'elle doit payer chaque jour, il y a la soumission. Je crois que maman a frôlé la définition de la soumission. Je veux que tu comprennes la yango. Et ça, esclavage de... Na ebite soki mwasi a sali insoumission ya modèle mobali ya zozela ke afuka melaka ye atalongola ye nini non wana eza malédiction te wana eza biloko mobali c'est moi j'appelle ça de l'orgueil masculin mais la femme qui refuse de faire ce que Dieu a dit dans la Bible femme soyez soumise Dieu n'est pas fou Dieu a demandé la soumission que la femme prenne toutes ses missions les mette sous la mission de Dieu et de l'homme pour que les gens, la marche à deux devienne possible. Alors, si la femme commence à être insoumise, ça devient effectivement une malédiction. Mais si elle marche dans la mission, et sa mission est sous la mission de l'homme, ils sont sous la bénédiction. Donc, par rapport à l'auteur, il faut comprendre la motivation. Oui. S'il est dans la même définition, la même pensée, je crois qu'il a raison. Mais s'il n'est pas dans la même pensée, c'est une soumission... L'esclavagisme. Non, ça c'est son avis personnel. Merci beaucoup, Pasteur Serge. Nous, petit à petit, nous acheminons vers la fin. Mais avant, nous avons étape magazine pour chaque invité. Nous allons vous lire un passage de la Bible dont vous allez interpréter. Pour la Balantina Bisso, nous appelons ça Verfuyons les Écritures. Nous avons 1 Corinthiens 3. Nous avons à partir du verset 9 qui nous a verset 11. Je peux lire pour vous. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements avec un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Vous avez la parole. Très bien, en peu de mots, Jésus-Christ est notre rocher, Jésus-Christ est notre fondement sur lequel nous venons bâtir. Et s'agissant du couple, nous appelons que la Bible parle d'Ecclésiaste, que la troisième corde qui est dans le couple, pour que le couple ne puisse pas se disloquer. Ça veut dire fondons tout sur Christ. Et le résumé de tout ça, c'est ce que Paul dit à Éphésiens. Pour dire, Marie, aimez votre femme, non pas comme Abraham, non pas comme moi Paul, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Femme,
Soyez soumise à votre mari comme l'Église est soumise à Christ. Donc, Christ est le centre. Alors, quand on dit ne bâtissez pas de votre manière, le mariage est défini. Le mariage est connu. C'est l'histoire et comment on appelle l'institution divine. Dieu sait ce qu'il faut placer comme brique dans chaque mariage, mais tout doit être centré sur Christ qui est le modèle. Nous n'avons pas d'autre modèle parce que Abraham a échoué dans le mariage. Et Jacob a échoué dans le mariage. Tous ces gens-là qui sont des hommes ont échoué. Il n'y a que Christ qui a réussi et qui a fait l'amour sacrificiel. Ça veut dire qu'il est mort pour sa femme. C'est sacrifié. C'est pourquoi, quand on nous dit ça, Paul va nous dire le fondement c'est Jésus. Alors quand vous êtes en train d'élever, élevez de manière à ce que ce fondement ne pas toucher au fondement, ne pas abîmer le fondement, mais restez sur ça et vous pouvez bâtir. Merci beaucoup, apôtre Serge. Certaines églises ou certaines religions, comme je peux les appeler, soutiennent la polygamie aujourd'hui dans le mariage. Est-ce possible selon les Écritures? Ce sont des païens. Ce sont des païens, ils ne connaissent pas les Écritures. Dieu n'a jamais... Tu leur as appris cela. Oui, ce sont des païens, ce sont des gens qui lisent mal les Écritures. Dieu n'a jamais prôné la polygamie. Qu'on nous entende très bien. Tous les polygames sont des adultères. Tous ceux qui sont dans la polygamie, ils font l'adultère. Parce que, bon, imaginez que j'ai épousé ma femme. J'ai quitté chez moi pour aller l'épouser. Nous formons un seul corps. Bon, maintenant, quand je dois aller prendre une deuxième femme pour faire la polygamie, je quitte où? Je la quitte elle. D'abord, je suis irresponsable. Je ne parle plus de chez nous. Je parle de chez moi. J'abandonne mes enfants et ma femme pour aller prendre une autre femme. Et je suis un seul corps avec. Je prends ce corps, je vais encore dans un autre corps. Je suis adultère. Tous ceux qui soutiennent la polygamie, ils sont en dehors des Écritures. Ils ne connaissent pas la vérité. Ils nous disent où est-ce que Dieu a demandé que les gens deviennent polygames. Et aussi, l'Église dit ceci. Et Paul nous dit, tous ceux qui aspirent aux charges à l'Église, ils doivent être mari d'une seule femme. Alors, si les gens sont dans le concubinage, n'appelez pas ça, parce que polygamie veut dire aller épouser, comme il y a certaines églises qui sont dans la perdition. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Ce sont des gens qui sont dans la perdition, sont destinés à l'enfer, ce qu'ils sont en train de faire. Même Paul n'a jamais dit qu'il faut avoir plusieurs femmes. Paul avait dit, si vous désirez avoir une femme, pas deux. Donc, la polygamie n'est pas autorisé par Dieu. Il y avait eu une volonté permissive. S'il faut dire, dans l'Ancien Testament, il y avait une volonté permissive. Mais tous ces gens-là, il n'y a aucun sacrificateur. David, c'était un roi. Il faut comprendre que les rois avaient des copines et tout. Mais les sacrificateurs, nous sommes dans la sacrificature où tout le monde est sacrificateur en Jésus. Donc nous sommes des sacrificateurs. On ne veut pas avoir de femmes. C'est un péché. Alors, nous ne pouvons pas continuer à appuyer ces gens-là qui font des choses comme ça. C'est pourquoi j'ai dit tout simplement un mot. Ne les écoutez pas, ne les entendez pas, même quand ils parlent. Suivez le chemin, le véritable, c'est le mariage monogamique. Un homme et une femme. Merci beaucoup, Pasteur Serge. Mesdames et messieurs, vous avez des questions, il y a là, au bas de vos écrans, un numéro affiché. Ou encore, vous avez des messages envoyés au couple, ou soit encore des questions par rapport à l'émission d'aujourd'hui, écrivez-nous encore vers la fin de ces magazines. L'apôtre Serge va donner ses numéros de contact et vous saurez comment le joindre. Apôtre, toutes les personnes qui vous ont suivi, nous allons frôler un peu concernant la campagne de paix, une activité dont vous avez l'habitude d'organiser chaque année, et comment ça vous préparez déjà pour l'édition 2018. Que Dieu vous bénisse vraiment. Déjà au mois de juillet, parce que c'est avant la célébration que nous faisons cette campagne. Devant, nous devons aller. Mais il y a l'Esprit du Seigneur qui nous a instruits. Peut-être dès la semaine prochaine, nous allons commencer un programme pour parler de la réconciliation au niveau de l'Église, réconciliation dans les couples, réconciliation dans le pays, parce qu'il faut préparer les gens à la paix. Les gens ignorent les éléments de la paix. Nous voulons parler de ce qui s'appelle la réconciliation. Nous-mêmes, Dieu en nous révélant cela, ça veut dire qu'on commence par nous-mêmes, nous réconcilier, et nous allons élargir auprès de tout le monde. Je voudrais quand même toujours par la voix des ondes annoncer
ce programme-là de réconciliation pour tout le monde, pour le pays, pour les autorités, pour les maisons et les mamans, et surtout aussi entre les pasteurs. J'aurais voulu que les pasteurs qui me suivent comprennent que je viendrai vers vous pour qu'il y ait une réconciliation. C'est de la part des recommandations du Seigneur. Alors la campagne de paix commence au mois de juillet. Nous allons lancer notre campagne pour qu'il y ait la paix partout. Parce que Dieu veut qu'il y ait la paix dans nos pays, un séjour de paix. Alors, nous allons faire cela. Ça sera accompagné avec d'autres activités parce que nous allons célébrer nos 5 ans sous cette ambiance de la mission de paix. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Merci beaucoup. Apôtre, avant que vous ne puissiez sanctionner directement, nous revenons à Maman Mireille. Maman Mireille, un mot de la fin. Il y a des gens qui vous regardent pour le magazine de journée. Je voudrais dire, c'est moi-même. Bonjour à tout le monde. Bonjour aux fidèles de la communauté Cité de Paix. Et je dis bonjour aux pasteurs. Vraiment merci pour leur soutien pendant tous ces 28 ans. Et à toutes les jeunes filles qui veulent entrer dans le mariage, ce que je veux dire, n'hésitez pas. Le mariage est bon. Le mariage est merveilleux. C'est pas un calvaire. Il y a de bonnes choses dans le mariage. Allez-y et mettez Dieu au milieu de tout ça. Vous allez voir que le mariage, ce n'est pas un calvaire. Parce que des fois, les gens se disent que quand ils entrent dans le mariage, ils viennent prendre. Or que dans le mariage, on vient donner ce que vous avez. On vient donner ce qui est dans votre cœur, ce qui est dans votre tête. On donne tout. C'est pourquoi je les invite d'entrer dans les mariages. Parce que Christ lui-même, il est le fondateur du mariage. Je ne sais pas quoi dire. Je suis dans la joie parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui se sont mariées au même moment que nous. Et d'autres sont déjà mortes, mais nous on est là, 28 ans, là je glorifie vraiment le Seigneur, je lui dis merci, et donc je suis émue, j'ai même des larmes aux yeux, oui, donc, je manque même de mots, je manque de mots, et je dis aussi merci à mon mari, pour tout, pour l'amour, pour la considération, bon, pour tout ce qu'il me donne, pour l'affection et tout. Je lui dis merci et que Dieu te bénisse. Merci, mon Mireille. Nous aimerions bien voir ces larmes-là parce que ce ne sont pas des larmes de tristesse, mais ce sont vraiment des larmes de joie et surtout de paix. Et comme c'est la grande communauté, Cité de Paix, alors, Apôtre Serge, c'est vraiment la fin de ce magazine. Il y a des gens que vous regardent. Adressez-vous à ces téléspectateurs. Je vous remercie d'abord vous pour ce magazine. Je crois que ce sera la deuxième ou troisième fois que nous sommes passés. Ma félicitation. On voit que vous animez très bien cette émission. Nous saluons aussi les autorités de RTVH, là où nous sommes. Nous remercions le pasteur François, son couple, et tous les fidèles de ACK Kalembelembe, tous les fanatiques, comment je peux l'appeler, les fanatiques, tous ceux qui me suivent à la radio, ils sont nombreux, ils m'appellent toujours. Laisse que mon Dieu vous bénisse parce que vous m'avez vu peut-être à la télévision. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est la fin, oui, de cette émission, mais je crois que ça continue. Nous aurons encore d'autres séances avec vous pour parler. Je dis deux mots d'abord. Dans le mariage, on ne cherche pas, pour se marier, ne cherche pas un bon mari. Et le mari ne cherche pas une bonne femme. Chaque femme doit faire un effort d'être une bonne femme. Et toi, mari, cherche à être un bon mari. Si tu es un bon mari, tu trouveras une bonne femme. Si tu es une bonne femme, tu trouveras un bon mari. Donc que chacun travaille d'abord ce qu'il est, ce qu'il doit être. Je suis une bonne femme, le mari va t'apprécier. Et la femme, la Bible dit, dans Proverbe 31, le mari est en train de louer la femme. On va te louer si tu es bonne, si tu es bon et tu sais ce qu'il faut faire. Deuxièmement, nous bénissons toute la famille, la grande communauté Cité de Paix. Nous bénissons le grand ministère Kokrekofa, Communion chrétienne pour la restauration des couples et familles.
ce que nous coordonnons aussi, que tous les enfants, tous ceux dont nous avons parrainé, trouvent ici l'expression de notre gratitude. Je bénis le collège pastoral de la communauté Cité de Paix qui, malgré tous ces problèmes, sont en train de continuer à travailler pour le Seigneur. Ils sont là au service du Seigneur, c'est ce qui est important pour nous. Nous les remercions et nous les bénissons. Je bénis tous les enfants de la communauté, que le Seigneur vous fasse des faveurs. Des faveurs, ça veut dire qu'il aille au-delà de vos limites, qu'il vous accompagne dans tout ce que vous allez entreprendre. La communauté Cité de Paix a un vaste programme que nous allons célébrer notre 5 ans, mais nous vous disons de rester branchés, d'avoir l'adresse qui se passe en bas de votre... Visitez-nous à tout moment, selon le programme, et vous ne serez pas déçus, car Christ est au centre de tout, dans tout ce que nous faisons. Pour les couples, les mariages, je vous encourage, comme maman a dit, je vous encourage à entrer dans les mariages, mais nous devons rendre les défis grands à ceux qui commencent aujourd'hui à prendre les homosexuels et tout ça, alors qu'ils commencent à abîmer l'ambiance du mariage. Alors, venez nombreux dans les mariages, un mariage monogamique où il y a le respect de l'autre, se supporter et savoir s'accepter. Au-delà de tout, je bénis toutes les églises chrétiennes. Partout où on est en train d'élever le nom de Jésus, soyez bénis. Et notre pays soit béni. Que le pays soit béni aussi davantage. Je crois que c'est avec ces mots que nous allons clôturer en demandant ce que le Congo soit béni pour l'amour de notre pays. Je vous salue. Jamouenu, Botenabino. Que Dieu s'occupe de vous dans toutes vos affaires. Merci. Amen. Amen, papa. Je reviens à vous pour que vous puissiez clôturer encore cette émission par un geste d'amour qui va encore accentuer la célébration de ce 28e anniversaire. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé ces images, dites merci à Léon Bilili qui a signé la réalisation. Derrière la caméra, c'était le frère Richard Ndaya. Je vois aussi l'assistance de papa Benny Kikwe qui nous a assisté aujourd'hui et pourquoi pas aussi saluer tous les fidèles de la grande communauté Cité de Paix. Ils sont nombreux là. Je salue particulièrement frère Nick, ainsi que son jumeau. Que Dieu vous bénisse. Et grand merci aussi pour votre soutien. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Mais entre-temps, nous laissons le plateau à nos invités d'honneur qui sont hôtes de cet anniversaire de nous manifester leur amour et surtout que Pasteur Serge a dragué Maman Mireille, c'était à Lubumbashi. Je sais que c'est un soin. Bon, vraiment, merci. Merci. Bye.